Tout de suite, je vous embarque dans un voyage à travers le temps, une immersion dans le passé où des artisans font revivre des métiers d'antan. Artisans, métiers d'antan, vous avez vu, je fais encore des rimes. Parfois, je m'épate moi-même. Non, d'accord, je m'égare. Et puis alors, vous pourrez aussi connaître le grand frisson avec des artistes qui se produiront à plus de 9 mètres de hauteur dans une rotative. C'est parti pour la fête des vieux métiers à Montfort-le-Génois. Suivez-moi. Donc nous voici arrivés à Montfort-le-Génois pour la fête des vieux métiers. Il y a toujours une ambiance de dingue. Ici, je suis avec Fabrice, le président de l'association des vieux métiers. Bonjour Fabrice, ça va bien? Ça va, bonjour. Et je suis avec Gérard, qui est la personne qui gère toute la partie artistique de cet événement. Presque. Pas presque, Gérard, faut pas être modeste. Je suis pas tout seul pour tout faire ça, mais une grande partie, oui. Oui, la programmation artistique quand même, Gérard. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Et puis j'aime bien, donc voilà. Oui, toujours des choses fantastiques, on va en parler tout de suite. Ouais. Alors Fabrice, c'est la combienième édition cette année? 42e, la fête a commencé en 78, il y a eu quelques trous, donc c'est la 42e. Très bien, formidable. Et alors combien d'exposants cette année hein? Environ 70-80, on n'a pas compté précisément. En fait, pour nous, ce qui compte, c'est la qualité et ce n'est pas la quantité. Donc entre 70 et 80, mais tout est très beau. Super. Alors justement, on a des choses qu'on retrouve de l'année dernière et puis on a des petites nouveautés. Oui, quelques nouveautés. On a un super torréfacteur. Je crois que tu vas aller le voir. C'est une certitude. Oh, bah super, tu verras. Il est passionné du café. Bon, bah, fantastique. Et alors bon, il y a beaucoup de bénévoles, évidemment, pour mettre tout ceci en place parce que c'est une sacrée logistique. En fait, là, cette année, on a retrouvé des nouveaux bénévoles, donc on est environ 130. Formidable. Ouais, super. Et en plus, dans les bénévoles, on a des jeunes. En gros, cette année, nos nouveaux bénévoles vont de 78 à 70. Donc une fourchette super large. Donc on est ravis, on est franchement ravis. Puis on a une sympathique fanfare aujourd'hui, ça pulse. Ah ouais, Los Torinos, c'est une bandasse et comme dit son nom, c'est une vraie bandasse. Alors, il n'y a pas que le côté vieux métier, il y a aussi toujours des spectacles extraordinaires. Et ça, c'est GG Gérard qui s'en occupe. Ouais, en fait, dans l'association, j'ai un super bureau avec des gens qui se décarcassent toute l'année, dont Gérard et Josette. Et c'est surtout, c'est eux qui cherchent les nouveaux spectacles, qui nous les proposent. Et donc, pour cette année, ils ont trouvé la rotative. La perle rare. Oui. Alors, Gérard, oui. Je suis contente de vous retrouver, Gérard. Ça va bien, Gérard? Ça va, oui. Bon. Alors du coup, bon, il faut dire Gérard et Josette, parce que voilà, c'est important. Donc l'année dernière, vous nous aviez proposé des plongeurs de l'extrême, c'était juste extraordinaire et époustouflant. Et alors là, cette année, qu'est-ce que c'est que cette histoire de rotative? Eh bien écoutez, c'est des artistes qui sautent sur une rotative, hein, des artistes de Rouen. Voilà. Ah voilà, j'allais vous demander où est-ce que vous avez été les chercher, donc à Rouen. À Rouen, oui, effectivement. C'est super. Ça, c'est votre dada, hein, l'artistique, hein, Gérard. Oui, j'aime bien innover, avoir un spectacle pas commun et qu'on ne trouve pas dans la Sarthe. Déjà, dans la Sarthe. Hein. Mm-hmm. Voilà. Innover. C'est formidable. Bon, bah, moi, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai envie d'aller voir, messieurs, ce qui se passe vraiment autour, puisque on parle de torréfacteurs, on parle de rotatives. Il y a tellement de choses à voir que j'ai envie d'y aller. On y va? Allez, on y va. C'est parti? Oui. Alors, je vous suis. Allez, je vous suis, les gars. On y va. Bonjour, quel est votre petit nom? Cotilla Patrice. Alors vous êtes circassien, j'imagine? Ah oui, depuis longtemps. Depuis combien d'années? 35 ans. Ah oui, ça se voit pas. Quelle dextérité sur cette rotative. Pourquoi avoir choisi cet instrument-là? A priori, au départ, j'ai pas choisi. C'est mon patron qui m'a demandé d'accompagner un acrobate. Et cet acrobate a quitté la compagnie. Moi, j'y suis resté. J'ai continué à apprendre la roue. Et je suis devenu le coordinateur de l'équipe. Et puis aujourd'hui, c'est moi le patron de la compagnie. La compagnie, on rappelle le nom pour nos téléspectateurs. La rotative. Donc la rotative comme votre instrument en fait. Ah oui. C'est un agrès mythique qui s'appelle la roue de la mort. Mais bon, on l'utilise moins maintenant, sinon ça fait peur. C'est moins vendeur, oui. Ouais. Bon, j'ai toujours envie, hein, ça fait. Et du coup, pour maîtriser un tel outil, ça prend combien de temps? Je forme des gens en ce moment, une quinzaine de personnes en France depuis que j'ai commencé à former des adultes. Alors ça prend, on va dire, avant d'arriver sur le spectacle. Et encore, je fais l'accompagnement derrière. Jusque pendant encore 6 mois, mais je pense qu'un an et demi de formation en répétition, avec des sessions d'une semaine à 15 jours très régulièrement, ça fait qu'ils sont stables et qu'ils maîtrisent l'engin. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on vient de vous voir faire, qui est absolument impressionnant, c'est-à-dire être carrément sur la roue et non pas à l'intérieur, sans filet, sans rien, parce que là, vous n'aviez aucune protection, au bout d'un an et demi. On peut le faire avant, mais je ne lâcherai pas les personnes avant. Sinon, ils prennent un risque et moi, je prends un risque aussi de les laisser dans la nature, avec une roue. Donc si on veut venir en formation que vous nous formiez, par exemple? Il faut aller voir sur le Facebook de la rotative. Et puis, mon numéro de téléphone est dessus. Et puis, moi, je réponds. Et quand j'ai une session de répétition avec des professionnels,
on intègre des amateurs qui viennent essayer. C'est devenu pour certains leur travail, parce qu'avant on était aussi une équipe de 5 et on a eu notamment Teresa Doll qui est restée avec nous pendant 4 ans. Une fille dans notre équipe de mecs, là, aujourd'hui on est désolé mais on n'a plus de filles. Dommage. On essaiera de faire un team de filles avec une autre roue. Ah bah formidable, formidable. Voilà. Et donc ce spectacle, vous le tournez partout, là vous êtes en Sarthe, mais vous le tournez partout dans toute la France ? En toute l'Europe. Ouais. Pas mal en Espagne ces derniers temps. Avant on allait en Angleterre, depuis le Brexit on n'y va plus, mais bon ça va revenir. La Belgique, enfin tout le Benelux, et en France bien sûr, ouais. C'était formidable, en tout cas merci beaucoup, c'était formidable, c'était très très beau et très impressionnant. Donc la rotative. La rotative, oui. Super, merci. Bonne journée. Alors bonjour, bonjour, quel est votre petit nom ? Alors moi je m'appelle Pascal. Pascal, expliquez-nous, qu'est-ce que vous venez de faire là ? Vous venez de mettre le café ? Alors, je viens de prendre du café vert qui vient du Brésil. J'ai avant tout chauffé la boule au bois, hein, c'est normal, c'est la première chose à faire. Une fois que la boule est bien chaude, comme vous avez vu, j'ai introduit du café vert. Et là, je tourne, je ne peux plus m'arrêter. Pour quelle raison ? Parce que sinon on va brûler. D'accord. C'est comme une poêle sur un feu, si on le laisse, ça va cramer. Et là, je surveille. Donc là, pendant combien de temps ? Entre 15 et 25 minutes. Tout dépend de la quantité. Là, je suis à 2 kg maximum. Pour moi, aujourd'hui, c'est bien. Donc 15-25 minutes. Et après, le café, il est comme là-bas, torréfié. Très bien. Et du coup, il faut avoir une sacrée huile de coude. J'ai deux bras. Donc quand j'en ai marre, je change. Et ça marche très bien. Hein. Et pourquoi le café, ça, vous êtes... Parce qu'on est passionné par les vieux métiers, par tout ce qui est outils, tout ce qui est vieux matériel. Et j'avais ça chez moi. On a utilisé ça à l'époque, à la fête de Montaillier, qui n'existe plus. Donc j'ai dit, il n'y a pas. Il faut qu'on remette ça. C'était une machine qui était dans votre famille, alors ? Non, on l'avait acheté à une ancienne épicière, parce que ça, ça date de 1920, et les épicières, dans le temps, dans les bars, elles torréfiaient le café. Et donc, j'ai voulu remettre ça, montrer aux gens comment ça se passait. Et les gens sont ébahis. Ah mais c'est formidable. Voilà. Et puis, le café est bon parce que j'ai goûté un grain. Il est très, très bon. Le mieux, c'est à la tasse. C'est mieux, effectivement, je te confirme. Tu peux y aller là-bas à la tasse, moi, t'en offrirai, il n'y a pas de souci. Hein. C'est gentil, c'est adorable. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. De rien, de rien. Donc après, je peux montrer à la caméra comment on le sort. On veut voir comment on le sort, les téléspectateurs. Là, je ne vais pas le verser sur le tamis pour le refroidir parce qu'il n'est pas cuit. Mais je vais prendre 2 secondes, ça va être vite fait. Très bien. Alors là, je lève le boule. Non, mon café est censé être grillé. Alors bouge, je pense, mais dans le bon sens. Voilà, il fait chaud là. Voilà, et une fois que le café est grillé, on le verse dans le tamis. Évidemment, on ne l'allait pas. Hein. On le verse dans le tamis et le tamis, une fois chargé en café, je l'enlève et je refroidis le café. On remonte le tamis. Et le café, voilà, est torréfié. Ok, formidable, merci. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom à vous ? Moi, c'est Bruno. C'est... Les Italiennes m'appellent Bruno. Ah, et forse di sentire. Stop, on arrête. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Expliquez-nous, expliquez aux téléspectateurs et téléspectatrices, puis aux gens qui sont là. Donc, en fait, on est parti sur un très, très vieux métier. La brosserie, qui était vieux métier, brosserie, qui était les anciens chiffonniers. Les pots de lapin qu'il y avait dans les fermes, c'est, voilà, on arrive jusque-là, après les remouleurs, etc. Qu'est-ce qui vous y a amené, vous ? Mais je suis incognito ici, en principe. Hein. Ah oui, mais nous, pas d'incognito, il faut nous expliquer votre histoire. Ah, d'accord, ok. Bon, j'ai eu la chance de travailler à Main Brosserie, une petite brosserie, une des dernières brosseries d'ailleurs en France, qui est à Montfort-le-Génois, anciennement Pont de Gênes, hein, pour l'histoire. Et donc, ils ont commencé avec une seule machine. Et puis 50 personnes, et puis voilà. Après, c'est industriel, mais là, voilà pourquoi l'amour du métier. D'accord, mais c'est juste une passion, hein, moi. Voilà. C'est bien résumé. Voilà. Et celle-ci, j'ai commencé il y a 4 ans et je dois la terminer aujourd'hui. Ah bah dites donc, vous êtes sacrément loin à la détente, vous. Non, c'est parce que en fait, je parle beaucoup, je crois. Ah bah, j'ai remarqué. Alors bon, vous nous expliquez, oui ou non ? On y va. Regarde, attention, caméra, on est parti, on me suit. Là, vous avez une noix de coco, là-bas, d'accord ? La noix de coco coupée en deux. Donc tout autour, vous avez de la fibre. La fibre, elle est ici, d'accord ? Et après, donc avec cette fibre, on est parti sur un petit système de pliage en deux. Donc on va mettre la fibre dans... avec le petit fil qui est ici, pliage en deux, et ça va venir comme ça. Donc voilà un petit peu. C'est tout simple. Donc ça, c'est un métier qui était fait avant, très souvent par des aveugles. C'est pour ça que certains CAT ont repris ces métiers-là. Donc c'est vraiment une histoire, d'accord ?
mais après je peux continuer encore longtemps. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Monsieur, dame, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, alors attendez, on va le faire avec quelqu'un. On va essayer de prendre le président pour montrer à tout le monde ce que c'est que ça. C'est important, regardez bien. Alors, en fait, ça, c'est du chien-dent. Donc, le chien-dent, c'est... approche ta main, Fabrice. Ça, c'est du chien-dent. Donc, le chien-dent, c'est du chien-dent que vous avez dans vos jardins. D'accord? Donc, on va récupérer le chien-dent, on va le ramasser, le faire sécher. Après, on va faire une mignonnette. Ça, c'est une mignonnette. Ça va être pour récurer les casseroles. Dans le temps, c'était ça. Mais aujourd'hui, on a une autre fonction, regardez bien. C'est pour enlever le poil qu'on a dans la main. Mais j'ai regardé et ça marche. Pas mal, pas mal. Est-ce qu'on a d'autres choses à apprendre? Vous avez beaucoup, mais je pense que vous êtes un petit peu pressé, vous avez encore plein de choses à voir. Allez chercher un petit café là-bas, elle est mignonne comme tout, ouais. Il est très bon. Ah, c'est bien, vous faites mon métier à ma place. Je vous aime beaucoup, Bruno, hein. je vous embauche. Je savais qu'il y avait quelque chose entre nous, je le savais. Oui, moi aussi, je sentais qu'on était destinés, vous et moi. Bon, allez, pour la peine, je vous fais la bise. Adieu, joli, comme dit. Merci. Bonjour, bonjour, ça va, Morissette? Ça va. Alors, il paraît que vous êtes la doyenne des barrières, vous. Oui, c'est possible, oui. Alors, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ah, depuis 12 ans. L'âge de 12 ans? De l'âge de 12 ans que je tourne la baratte. Ah, très bien. Et alors, comment ça marche, un baratte? Ah ben, il faut tourner la baratte, on met la crème et puis on tourne la baratte. Et c'est long? Ah oui, il faut une heure. Une heure? Pour faire quelle quantité de beurre? 20-30 litres de crème, ça dépend. Ça dépend, quoi. 20-30 litres de crème, quoi. Et alors, du coup, cette machine, elle vous appartient ou pas du tout? Ah ben, j'ai changé de baratte, hein, mais c'est une baratte comme celle-ci. D'accord. Et elle est de quelle année, cette baratte-là? Hélas. Je pose une colle. On ne sait pas. Alors, vous, je vous vois à côté, vous parlez, vous êtes la fille de Morissette, c'est ça? Oui, oui. Vous faites la même chose? Oui, oui, oui. Maman m'a appris à faire le beurre, donc oui. Elle vous a transmis. Et alors, ça vous plaît? Enfin, je veux dire, oui, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ah, depuis que je petite, hein. Depuis gamine? Voilà, exactement. J'ai toujours vu ça chez mes grands-parents, puis après maman qui le faisait aussi. Donc, oui, pour vous, c'était important de perpétuer la tradition? Voilà, tout à fait. Qu'on a retransmis aux enfants aussi. Non, c'est pas vrai. Si. Ils sont là, vos enfants? Oui, oui. Ils sont où, ils se cachent? Oui, ils se cachent, oui. Vous avez combien d'enfants? Deux. C'est des filles ou des gars? Un garçon et une fille. Et les deux, ils pratiquent? Ils connaissent. On est fiers des petits-enfants? Oui. Vous n'avez pas l'air sûr, Morissette? Comment? J'ai pas compris. Est-ce que vous êtes fière de vos petits-enfants? Ah oui, tout à fait. Ah bon? Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais parce que bon, mais ils prennent la relève. La relève, hein. C'était important pour vous? Très bien, très oui, tout à fait. Bon. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup, Morissette. Et merci, rien. Annie. De rien. Merci mille fois. Merci à vous. Super. Merci à vous. Et ben voilà, on les laisse à leur fête. Et quant à nous, eh ben, l'émission est déjà finie. Oui, je sais, c'est triste, mais vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.